partie de un des reportages qui était fait concernant l'essai de l'appareil pour provoquer des tremblements de terre. Et surtout, dans ce reportage, vous pouvez constater qu'en dessous de Haïti, c'était fait pour essayer cet armement pour provoquer un tremblement de terre en Iran. C'est-à-dire attaquer maintenant militairement ou par bombe atomique ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas comme avant. On peut provoquer des tremblements de terre ou des séismes d'autres qualités, mes chers amis. Et ce sont des reportages assez importants qui étaient sortis, surtout quand il parle de Chavez, et selon les sources de la Russie. Il avait bien sûr informé le monde entier. À l'époque, même j'ai entendu ses propos aussi existent sur l'Internet et on ne va pas perdre notre temps de le diffuser. Vous pouvez aller le chercher. Même Chavez, il dit, voilà, ils ont fait cet essai à Haïti pour provoquer des tremblements de terre en Iran. Alors, Haïti, c'était il y a déjà quelques années, mais celle d'Iran, il y a déjà quelques semaines. Il y a des polémiques sur ce sujet-là, mais l'Iran, il n'a rien dit, il a fermé la gueule jusqu'à maintenant. Pourquoi? Puisque une grande partie des gens, ils pensent, surtout les savants, que c'est l'Iran lui-même qui a fait ça pour se débarrasser d'une grande partie des Kurdes qui ne sont pas chiites, sont des sunnites. C'est pour ça que par cette voie de Kermanshah, Kurdistan iranien, il envoie beaucoup d'aide. De toutes sortes, pour la Syrie, pour l'Afrique, pour l'Irak, mais le peuple iranien kurde, vivant dans le Kurdistan iranien et Kermanshah, où il y avait le tremblement de terre, depuis 40 ans, depuis la révolution de ce jour, les gens n'y sont pauvres, ils n'ont pas assez à manger, etc., etc., surtout qu'il y avait le problème des sunnites, chiites, etc. Alors, en partie, il provoque cette idée-là aussi, que puisque la Russie aussi tenait cet armement, c'était fait par l'armée iranienne contre une partie de son peuple qui n'était pas d'accord avec lui. C'est pour ça que l'Iran n'a rien dit à ce jour-là. Mais selon beaucoup d'informations, beaucoup de témoignages, beaucoup de vidéos que j'ai reçues personnellement par les amis de là-bas, il montre qu'il y a énormément des soldats armés perses iraniens qui sont présents sur place. Une partie, ils aident la population, mais l'autre partie, qui c'est Pastaran, c'est l'armée de Pastaran, ils ne font rien, seulement ils sont présents militairement. Pour ça aussi, ça sera un autre secret qui va rester un sujet tabou, que personne ne va pas en parler. Je suis sûr, certain, puisque le monde entier a profité de cette séiste qui a tué plusieurs milliers de personnes. Voilà, ça aussi c'est un autre sujet. Si vous avez d'autres informations, vous voulez le partager avec nous, avec grand plaisir, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole. Oui, ah, ne quittez pas, ne quittez pas.